bien, le bonsoir, le bonjour les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on est là pour te sauver le monde. Certes, elle a un petit peu en retard, par rapport à des jamais toujours le jeudi. Mais vu que je savais que bientôt c'était Pâques, etc., je me suis dit, je vais attendre plutôt le week-end ou même le lundi pour qu'il y ait vraiment tous les skins de Pâques en boutique. Comme ça, moi, même si c'est la boutique change dans deux jours pour ce côté-là, et bah au moins, vous avez du coup tous les skins de Pâques. Du coup, c'est parti. Nous avons le petit retour du skin, du coup, aventurière. Donc voilà, très stylé, franchement. Egon, elle s'appelle aux grandes oreilles. Bon, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Moi, je l'avais déjà, ce skin-là, mais je ne vais pas racheter parce que j'avais déjà. Vous avez également, bien entendu, le garçon, hein, le Genesi assaillant, l'Apinex. Donc, tu vois là, toujours le même style, mais en version garçon. Lui, par contre, c'est un soldat, bien entendu. C'est pas la même capacité. Vous avez également le skin féminin, qui lui, c'était le premier à sortir en boutique il y a quelques jours, bien avant les deux autres. Donc, la Penny Lapine, elle s'appelle. Plutôt stylé aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, vous regarderez les caractéristiques, etc. Pour l'instant, bon, évidemment, il faut débloquer tout ça. Hein. Vous avez compris, les statistiques, etc. Vous regarderez selon ce que vous préférez. Ensuite, vous avez également le petit retour également du vieil petit pompe là. Franchement, j'aime bien celui-là. Moi, je l'ai dans mes trucs, il est plutôt pas mal. Cette pioche là, j'allais dire. Cette épée là, je veux dire, vous la connaissez plutôt bien. Je pense pas, j'ai besoin de vous la présenter. Mais si jamais vous l'avez pas, au moins, elle est de retour. Vous avez également le petit skin constructeur, style un peu américaine et tout. Plutôt stylé, j'ai envie de vous dire. Bon, après, faut aimer les constructeurs, c'est vrai que c'est très peu de gens jouent au cul avec ça. Il y a également le petit retour du petit. Ce petit combat. Voilà, je cherchais le mot que je voulais dire. Le concasseur. Moi, je l'ai, celui-là, en légendaire. Mais plutôt, je ne l'ai pas encore essayé en vrai. Mais je l'ai dans mon truc depuis très longtemps. Et c'est vrai que je joue plutôt plus avec l'épée. Mais des fois, c'est bien de jouer avec des massues pendant longtemps. C'est une arme de mêlée, donc de toute façon, c'est une arme très bien, apparemment. Là, c'est un défenseur, je pense que vous savez bien. Le petit sniper, ah, voyez, celui-là, il est bien. Il est stylé, surtout. Il a un flow qui va penser un peu à un truc d'espace, galactique, etc. Le fusil de sniper à néon. En légendaire, en plus. Il y avait également le petit piège, du coup. La nappe de gourdon également en légendaire. Là, vous avez le petit légendaire. Vous avez le petit skin Sarah Assassin. Le skin Ninja, je pense que vous connaissez les bails. Qui est plutôt stylé, ce skin-là, en vrai. J'aime bien le côté claquis noir, c'est plutôt sympathique. Également le PC mitrailleur, du coup, le flambeur Vandertech. Enfin, c'est souvent généralement les Vandertech, c'est souvent les armes à futuristes et tout. C'est plutôt stylé comme mitrailleur en vrai. Moi je l'ai déjà, mais je l'ai aussi celui-ci. Ça aussi je l'ai. C'est un pistolet également mitrailleur également. Même si il y a un petit air un peu pistolet, c'est le mitrailleur qu'elle a qui la façon qu'il tire, c'est un peu particulière. Bah, si vous l'avez pas, vous pouvez toujours l'essayer, il coûte pas très cher. Parce que 600 or, bah, bien sûr, moi j'ai beaucoup d'or, donc moi ça me paraît pas cher, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous avez également plein de petits trucs, de ressources pour améliorer vos matériels, etc. Également le petit soldat, le petit flocon là. Le flocon, voilà, petit skin. Bon, je pense pas que c'est le skin le plus rare, hein. On est d'accord, on l'a souvent dans les lamas, ce skin là en général. Et également, pour finir, ce skin là, du coup, le petit aventurier. Voilà, assez, il s'appelle électrospécialiste. Bon, celui-là en plus, il est encore moins rare que les autres. Parce que c'est quand même celui-là que sort très très souvent dans les lamas. Après, vous avez plein de petits trucs là, voilà, des gouttes de puits, etc. Il y a plein de trucs pour améliorer vos armes, vos personnages, etc. Vos héros, quoi, vous avez compris. Du coup, n'hésitez pas à t'en à demain pour de prochaines vidéos. Ou à ce soir, du coup. Ça dépend à l'heure que je publie la vidéo. Et n'oublie pas le petit code créateur juste en bas de la vidéo. De laisser un gros pouce bleu en l'air. De vous abonner si c'est pas déjà fait, j'espère avoir les 3000 abonnés avant la fin de la saison 2. Et du coup, je pense que tu vas te repousser un petit peu à mon avis, mais après on verra bien. Mais sinon, bah je vous dis à la prochaine. Ciao les potes et bonne game.